Ace, la tournaliste, les variants sont au point de vue sur Clash. Enfin, non, je dis, on n'est pas sur Clash of Clans. Évidemment, non, non, on est sur Dragon Man et Legend. Une mise à jour est sortie depuis. Alors, par contre, même si les mises à jour sont sorties, il y a quand même des pubs. Hein. Mais une mise à jour est sortie et vous avez le parc, le parc pour bébé dragon qui est sorti. C'est vraiment génial comme ajout qu'ils ont fait. Donc, on va prendre toute notre or. On va commencer à prendre la nourriture si on en a. Là, je vois qu'il y a de la nourriture. Non, je vois qu'il y a une ferme qui a été améliorée. Un nouvel habitat légendaire pour les dragons. On va avoir ça tout ça. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est parti. Alors, on va déjà récupérer toute l'or. Alors, j'ai coupé le son parce que sinon, ça pétait les oreilles, malheureusement. On est en compagnie de Gimindiax, alias Sully Boy, et de Tozo, même si Tozo n'a plus de micro parce qu'il a pété son adaptateur, qui est un petit peu merdique, on va pas te le cacher. Donc voilà le nouvel habitat légendaire, on va mettre un dragon dessus. Hein ? Allô ? Salut. Ah, il est là, ça me saillit, ça y est, il est là. Bah, j'étais là, hein. Je sais pas pourquoi vous m'entendez pas, bref. Ça va ou quoi ? Ouais, attends, là, je lance mes fermes à bébé dragonique. Ok, je vais mettre des baies dragoniques. Avant, je vais lancer l'une de mes fermes qui est niveau 3. Je vais y mettre des racines sucrées. Ça coûte la peau du cul, mais bon, tiens, on s'en bat les couilles. Après, là, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Les gars, j'ai vraiment plus d'or. Ouais, sinon, l'adaptateur, ouais, il est commandé. Il est commandé, l'adaptateur qui marche pas bien. L'autre, il arrivera peut-être le 3, le 4, comme ça. C'est une livraison rapide. Donc, les gars, on va se lancer des matchs de ligue. Il faut qu'on arrive à monter en trophée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un système de potions maintenant. Oh là là. Il y a tellement de nouveautés maintenant dans ce jeu. J'arrive à m'y perdre. Amenons ces potions magiques à la ligue d'enchantement pour voir ce qu'elles donnent. Je ne sais pas pourquoi, mais ces deux dragons sont devenus mes amis. Mais ils sont si puissants que je n'ai même pas osé dire non lorsqu'ils ont emmené à l'arène enchantée. Non, nous avons vraiment besoin de ces potions. Amène-les à l'arène, s'il te plaît. Assigné, très bien. Parfait, maintenant entrons dans l'arène. Très bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Ça fait genre un mois et demi que j'ai pas dû lancer une game. Ce défenseur est très fort, utilisant une potion pour l'affaiblir. Une potion. Ah, il est parti, Toto ? Oui. Dégâts mineurs. Les défenses du fort perdent instantanément 60% de batterie, de vie. Très bien. Ah ouais, d'accord. Mais c'est super comme ajout, ça. Hourra, nous avons l'avantage d'écrocher la victoire en utilisant le potion bouclier. Attaquer. Ah ouais. Mais c'est génial comme ajout. Mais c'est génial. Mais Dragon Man et Legend, ils ne font que des bons ajouts. Hein. Les potions nous ont vraiment aidés. Gagnons le prochain combat et voyons quelle réponse nous recevrons pour nos efforts. Ah bah là, évidemment, le dragon est moins puissant. À l'attaque, dragon du feu. Alors j'aurais peut-être dû prendre un dragon d'eau. Ça aurait été plus efficace, mais bon, c'est pas grave. On va quand même le niquer en quelques coups, puisque mon dragon est quand même niveau 27. C'est pas dégueu, hein. Contrairement au dragon inverse qui est niveau 22. Et je vais peut-être gagner donc quelques trophées. Même si c'était un tutoriel, je vais peut-être gagner quelques trophées ou quelques matériaux. Non, d'accord, ok, j'ai juste gagné des matériaux, des potions, évidemment. Ah, oh, j'ai plein de potions, là. J'ai 3 potions légendaires. Ah ouais. Mais c'est génial comme ajout. Oh là là, c'est génial. Nous avons des potions, tu peux en gagner plus dans l'arène enchantée. Affecte tes dragons les plus forts au fort enchanté pour obtenir de meilleurs boosts du chaudron gratuit. Attention, changer les défenseurs et saisir la minuterie du chaudron gratuit. Ouais. Mais c'est vraiment cheaté comme technique en fait. Hein. Alors, d'accord, donc là j'ai un coffre vidéo, donc là je vais mettre en ellipse la vidéo. Ok, bon. Voilà, c'est bon, la pub est passée, donc je vais avoir des matériaux d'enchantement. Pas mal. Restons dans une veux-tu activer les notifications? Bah oui, évidemment. Donc, vraiment, c'est pas mal, vraiment. Alors, attendez, au niveau, tu vas avoir un habitat de vide. Cool. Donc, moi, le but de cette vidéo, c'était vous montrer les ajouts que j'avais pu voir sur la dernière review de la mise à jour. Mais je savais pas que c'était vraiment comme ça. Vraiment, c'est pas mal, les dernières matchs du jeu, hein. Bon, j'ai toujours pas débloqué Chronos, évidemment, mais Chronos, c'est le dragon légendaire, donc...
Je ne pense pas qu'on débloquera tout de suite. On va faire des matchs du League du coup maintenant. Maintenant que j'ai plein de sorts. Donc là maintenant il y a un système de clés que tu as récupéré toutes les clés disponibles, remporte des combats dans l'arène enchantée pour voir si c'est que des coffres un peu spéciaux. Intéressant, intéressant. Comme d'habitude ils font des bons ajouts sur Dragon Mania Legend. Ah, ok, il est niveau 29, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une carte légendaire de dégâts, un boost de dégâts légendaire. On va prendre un dragon de feu et on va mettre un bouclier majeur. Ah non, d'accord, non. D'ailleurs on va mettre ça. Ah, il fait très très mal à mon dragon. Mais moi, j'ai fait 100 000 points de dégâts. Je l'ai niqué en un coup. Ça, c'est cool. Du coup, on avance. On est qu'on a un autre dragon qui est niveau 28 cette fois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bouclier majeur qui va augmenter de 70% ma force. J'aurais peut-être dû mettre un dragon d'eau. Bah non, justement, c'est de l'eau. J'aurais dû mettre plutôt un dragon de terre. Ah là là là, mon dragon va mourir. Ah, et mon dragon est mort. J'aurais dû mettre un dragon de terre. J'aurais pas dû mettre mon dragon de feu. Parce qu'il est justement plus restant. Alors c'est quoi cette carte là que je vois ici? Relève toutes tes défenses en indiquant leur niveau et leur élément. Très bien. Bon, on va envoyer mon dragon de terre. Ah d'accord, lui il est assez résistant. Mais est-ce que je vais aussi le vaincre? Il fait très mal quand même. Putain, il a encore niqué un de mes dragons. Je crois que je vais jouer un Pokémon. On va mettre le pouvoir du feu à la place. Oh non, j'aurais dû utiliser ça dit qu'on a un coup. Des dragons, ouais, bon bah là je pense que je suis mort. Hein. On s'est entretué. J'ai plus aucun dragon. C'est le combat. Très bien, donc on a perdu des trophées, les gars. On a perdu des trophées. C'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Donc voilà, on a le système de chaudron maintenant. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien comme système. Là, vous avez tous mes scores. Là, on a donc les défenseurs que j'ai actuellement dans mon zone. Donc, on a 80 000 de nourriture. Où est mon dragon de feu que j'ai au niveau JD? Je l'avais mis à un endroit. Il est là, je crois. Non, il est pas là. Donc, s'il n'est pas là, il peut être où ce dragon de feu? Ah, ce bébé a rejoint. Arrête de quitter Tozo. Hein? Arrête de quitter la boule. Je sais pas où il va. C'est en fait, je suis en train de faire un truc là, c'est juste ça. Ah, il est là, mon dragon, précision. Ah, il est là. Donc, on va l'entraîner, ne vous inquiétez pas, on va l'entraîner, les gars, mais avant, nourrir. On va le nourrir un peu, ça coûte 63 000, mais on va le nourrir. Ça me coûte tellement cher en nourriture de le nourrir. Oh. Ok, bon là j'espère que j'ai pas gaspillé 20 000 pour rien. Ça, c'est quand même 20 000 d'or. Que Zoréa? Hein? T'es en train de jouer à quel jeu? Dragon Mania Legend. Dragon Mania Legend? Ouais, c'est un super jeu. Et moi je suis niveau 41 dessus. Moi j'ai pas aimé perso. Allez, allez. Ah, il est reparti. Ouais, mais il arrête de le quitter ou? Parce que yes! Donc j'ai augmenté. J'ai un coup raté. Je vais recommencer pour être sûr et certain d'augmenter toutes mes SP au maximum. J'en ai juste raté un, gars. C'est dégueulasse. Il faut trouver les poupées, il faut tuer les vikings. Oui, j'ai réussi. C'est bon, aucun. Un entraînement parfait, c'est bon. Mon dragon a 2000 de dégâts et 6000 de dégâts en plus, enfin de points de vie en plus. Ça, c'est pas mal, vraiment. Je l'ai bien boosté, mon dragon. Il est niveau. Il est bien au niveau. En plus, il me rapporte tellement d'or. Il me donne 1200 d'or l'heure, ce dragon. C'est vraiment génial. Non, 1700 d'heure, il me donne 1700 d'heure. Mais surtout qu'il est en plus, il est enchanté, donc. Par contre, son enchantement me coûte très cher. Bref, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est juste une vidéo pour vous montrer les ajouts qu'on avait dans le jeu. Voilà. À la rigueur, peut-être tenter de faire des petits combats. Mais j'y crois pas trop, hein. Ils sont assez puissants en face.
Et en plus, alors voilà. Cette chose, ça va être très très tôt. On va direct augmenter la force de mon dragon de feu qui est mon dragon le plus puissant. Ah, déjà le dragon sismique fait très mal. Le dragon sismique fait très mal. Mon dragon de haut ne peut pas faire grand chose, mis à part se soigner lui-même. Vous voyez les autres? Oui. Je t'ai envoyé un putain de thème que tu devrais kiffer. Oui, bah là pour l'instant je peux pas. Pour l'instant j'essaie de survivre dans mon jeu. Ils sont trop mal. Je vais utiliser mes 20. J'en ai 20, je vais utiliser mes 20. Oh putain, mon gars, c'est fini, je pense. Il y a Zachary qui vient de se connecter. Non, mais ça, c'est longtemps. J'utilise mon ultime. Les gars, j'espère que ça va marcher. C'est mon dernier recours pour gagner. Et merde, je ne sais pas tous niquer, malheureusement, c'est fini. Je ne pense pas que je vais gagner cette game. Quoique, il suffit qu'il me passe pas énormément de dégâts et je gagne. Yes, il me fait que dalle en dégâts, c'est bon. Il me fait que dalle, ok. Parfait, ok, c'est bon, on a gagné. C'est une super victoire, mais je reste marqué par le surnom Dunkey. Si je vous revois, vous allez le regretter. Oui. Et voilà, une victoire pour nous. On va pas faire la suite parce que à mon avis je vais perdre. On va revenir là-dessus. On va faire une game en multijoueur. Je suis long ligue, je suis bronze 3 pour l'instant. Mais bon, j'espère pouvoir me rattraper. Donc on est parti. On va faire une attaque. Alors, stratégiquement, vous le savez, je vais mettre l'œuf quand même la terre sur le feu. Toujours parce que mon dragon de feu est quand même le plus puissant des dragons que j'ai. Même si bon là je suis contre des dragons vraiment qui me font très très peu de dégâts, je les tue en un coup. Vu que mes dragons sont trop puissants et qu'en multijoueur les dragons des autres ne sont pas forcément comme moi. Ils me baissent que dalle en point de vie. Là je suis sûr que j'ai l'attaque du feu, là c'est mort, ils sont tous les deux morts. Je m'en doutais. Oh c'est une badass sa mère. Je refais une attaque. Oh putain, une vidéo. Non, c'est bon. Hop, on va lancer une deuxième attaque. Ça me fera encore plus de points pour le clan, puisque j'ai un clan sur ce jeu. Bref, là, j'ai même pas envie de me défendre avec des boucliers ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais tous les niquer en un coup. Allez, au revoir, mon petit dragon. Mon petit dragon abeille. Puis sinon, je suis toujours en train d'augmenter les SP de mon dragon légendaire. Vous inquiétez pas. Les dragons les plus rares sont les dragons légendaires. Et j'en ai enfin un. Je peux vous dire que j'ai galéré à l'avoir. On continue à faire des petites recherches de combat. Attaquer, allez. Alors, nous sommes dans ce portail-là. On va niquer celui-ci. Hein. Voilà, j'ai envie de le niquer. Voilà, il est mort. Il est dead. Il est Dragon, I'm dead. Oh, un dragon de feu qui fait trop peu de dégâts. Allez, va te faire foudre. Retourne voir maman. On vous a pas appris que les dragons, c'est compliqué de battre un dragon aussi puissant que moi. Allez, au revoir. Ah mais pourtant c'est pas bien compliqué de savoir que moi je suis trop puissant. Je suis Big Boss des dragons. Voilà, allez, c'est bon, on n'a pas besoin de faire la dernière. Hein. Au pire, on peut. Je suis en série de victoires là, pour l'instant je suis en série de victoires, donc au pire je peux recommencer, ça me fera des points pour mon clan. Ça me fera juste des points pour mon clan et ça me permettra d'aider mes potes. Je crois que ça va encore me rapporter 25 points de clan. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore suivi? Ah non, mais il faut que je t'envoie un screen. Enfin, en gros, c'est une parodie d'Undertale. Zachario? Quête de clan a réussi. Je crois que j'ai réussi une quête de clan. Yes, j'ai réussi une quête de clan. C'est vraiment bien, ils ont vraiment bien bossé sur ces mises à jour de puissance. Ce que je vous ai pas présenté, oui, il y a aussi des quêtes de clan maintenant. Bref, on va s'arrêter là pour ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like si ça vous a fait plaisir. C'était Zoria Gamer sur Dragon Mega Legends. Bye bye tout le monde.